Dans une eau à 17 degrés, il faut d'abord apprivoiser les éléments et parfois même ses peurs avant d'effectuer le grand saut. Crapahuter dans les rochers, escalader et parfois même jouer à l'apprenti spéléologue, c'est ça le coastering, une discipline pratiquée depuis longtemps au Pays de Galles et à Jersey. Nous, on s'est dit que nos côtes n'avaient rien à envier à Jersey, Guernesey, des petits coins d'Irlande, on appelle ça la petite Irlande ici des fois. Donc on est vraiment sur une activité nouvelle en France et qui est vraiment super quoi. À chaque fois que je viens et que j'emmène des gens, à chaque fois je vois la lumière dans leurs yeux et je trouve ça génial. Et ça marche, avec 2 à 4 sorties par semaine, encadrées par l'association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin. Il y a des trous un peu partout, donc pour ne pas s'abîmer les chevilles, on y va doucement, on pose, on y va à tâtons. Alors oui, on boit parfois la tasse, mais l'expérience est magique et accessible, même aux plus jeunes. J'ai accompagné Maëline, là, qui a 13 ans, et qui est assez à l'aise dans l'eau. Elle a un frangin qui a 10, mais moins à l'aise, donc je ne l'ai pas pris cette année, mais on va découvrir un ride canal pour les emmener tous les deux. Un parcours parent-enfant devrait être proposé l'an prochain. Alors, à vous maintenant de vous jeter à l'eau.